Hello à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de Bioshock Infinite sur PC. Nous sommes actuellement dans le hall des héros, l'antre des héros même. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont transformé le mot. À la base, c'est l'antre des héros qu'ils ont transformé en le Hall of Wars. Wars, c'est pas tout à fait vraiment zéro, mais bon, c'est histoire d'être un peu plus poli à mon avis. Alors, regardez-moi ça, de jolis tableaux. Mademoiselle Elisabeth a récupéré une lampe sur le cadavre ici présent. Merci pour ta lampe, l'ami. Tonique vivifiant, la formule magique de Flick. Ce qui va donc nous permettre d'avoir un petit peu de lumière, une lumière un peu plus pratique, un peu plus mouvante, un peu plus dynamique que celle qu'on est habitué à avoir. Salut toi. Et t'as toujours pas ce que je veux, donc je te dis non, au revoir. Je crois que nous avons eu un problème de lustre. C'est pas très pratique, ça. Encore un monsieur qui a mal terminé. Et je ne crois pas avoir gagné d'autres éléments qui pourraient m'intéresser. Voilà. Un nouveau voxophone. Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toge de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti, les actes de mes hommes vont redevenir sacrés et ils vont pouvoir reprendre ce qui leur est dû. Je n'ai pas besoin de vivre pour assister à ça. Et voilà, on peut continuer à avancer. Zeus, on est jaloux. Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de Steve. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu. Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Chut. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Rappelez-vous pourquoi on bat. Je mourrai au combat. Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électro-quartz. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Et ok, Wounded Knee, Pékin, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Par contre, quelques cristaux. Par contre, le pistolet ne m'intéresse pas du tout. J'essaie de faire attention parce que, comme je vous le dis, il arrive souvent qu'il y ait des petits trucs dans le décor. Et ça m'embêterait de les laisser passer. Par exemple, généralement, dans le coin, là, nous avons un crochet. Donc c'est pour ça que je regarde bien où qu'il y a où de mon côté, j'aurais loupé un truc. Ah bah le voilà, Slate. Des morceaux de Slate partout.
et, ce qui est le plus important pour nous, un autre crochet, un petit peu d'argent et une nouvelle infusion qu'on va utiliser pour améliorer nos cristaux. Allez hop. Parfait. Ultra pratique d'avoir un toc de cristaux dans le jeu, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais avoir raté d'autre? Ça, j'ai déjà fouillé. Normalement, c'est tout bon. On va pouvoir continuer à avancer. Toujours faire attention tout de même. Parce que généralement, quand on ressort, il y a du monde. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel, mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Si tu le dis, l'ami. Bon, pour l'instant, cette porte-là est fermée. On ne pourrait pas aller plus loin, donc nous avons le choix. Soit nous allons voir la bataille de Wounded Knee. Je sais pas trop exactement ce que cela veut dire. Knee, c'est que genou, mais bon. Soit la révolte des boxeurs. On va commencer par celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini? À Pékin. C'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. Voilà, lui est tombé d'un seul coup en fait et a fait peur à Elisabeth. J'ai oublié de vous le montrer. Ça ne vous rappelle-t-il rien? Nous avons déjà vu ça dans une vidéo en fait. On va quand même passer par ici. Tout simplement parce que c'est une salle pour les employés et qu'il y a toujours des choses intéressantes dans les salles qui nous sont interdites, n'est-ce pas? Alors là, nous avons rien. On fait bien attention de ne pas tomber sur n'importe quoi. De l'argent. On va éteindre la radio parce qu'elle ne fait du bruit un peu pour rien, là, sur le coup. On fouille encore une fois l'environnement. Ça, c'est ok. Et on récupère ceci. Alors, nouvel équipement, pantalon, épiderme fragile, les cibles au corps à corps sont temporairement vulnérables. Vous infligez deux fois plus de dégâts à vos victimes pendant 5 secondes. Mon U. J'avais jamais vu celui-là, mais il m'intéresse pas plus que ça pour le moment non plus. Je savais que tu viendrais. J'ai pas oublié un crochet ou tout autre élément dangereux dans l'environnement là. Ah, non, c'était pour allumer la radio. Ouais, je vois rien de plus, donc je pense que j'ai bel et bien fait le tour. Allez hop, on y va. C'est super leurs petites animations, là. Le teint jaune et les yeux bridés, ils nous trahissent, l'arme à la main. Mais il se retrouve sur le chemin de notre prophète courroucé. Oui, c'est pas joli joli tout ça, hein. Ah, je connais, c'est Comstock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comstock n'était pas là! Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? C'est le moment! Un pyromane! Excusez-moi, j'éternue, c'est pas trop le moment en plus, mais mince. Ah, j'en ai ras-le-bol, je suis presque coincé dans le décor. Booker, tenez! Je te remercie.
Au revoir. Tu vois, jeune fille? Tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat! Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les danseurs fantômes. Qui sont les danseurs fantômes? Woundini. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. Ah là là, ça a l'air complexe leur histoire, hein, quand même. Ici, vous avez aussi de quoi récupérer les cristaux si vous le souhaitez. Eh, je me retrouve souvent coincé dans les cartons, en fait, dans ce niveau. On repart dans l'autre sens, maintenant. On va quand même faire attention. Hey, qui est là? Une mort de soldat! Punaise, j'avais plus de munitions. Un petit peu de santé ne me ferait pas de mal, effectivement. Punaise, ça c'est vide, ok. Va falloir que je fasse gaffe, parce qu'ils sont pas tout seuls normalement. Ça allait me balancer des munitions, parce qu'elle en balance assez régulièrement, n'empêche de ça. Faut que je fasse gaffe. Un petit deuxième, parfait. Bon, au pire, je vais récupérer un petit peu de vie. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. C'est de l'autre côté, la vie. Quoique, j'en trouverai bien. Je vais me débrouiller. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille... Il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Faut bien pas que tu le saches. Donc là, idem, en fait, vous pouvez partir sur la gauche, vous avez un élément à récupérer. Ouais, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Et comme je l'avais précisé à peine plus tôt, elle a souvent tendance à pousser un petit soupir ou à râler un petit peu quand on a tendance à tuer les ennemis, comme ça, assez violemment. Bon, la radio vaut mieux qu'elle reste éteinte. Vous avez un lance-roquette si vous le souhaitez ici. Aucune utilité pour moi. Nouvel équipement, pantalon augmente les dégâts des coups critiques de 50%. Oh, sympa ça. Voyons voir ce que j'avais déjà à la place. Je crois que c'est pour le pantalon. Et le pantalon, j'ai tout enragé qui me permet de quoi? Vous repoussez les ennemis quand vous attaquez au corps à corps. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Ça me tente plus. Voilà, parce que si je peux faire des coups critiques plus puissants, je ne vais point m'en gêner. Demoiselle s'est faite scalper. La hache sanglante sous les clameurs, il danse parmi nos morts. Mais sous l'assaut de nos soldats, la reddition est leur seul choix. C'est toi qui le dis, mon vieux. Vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte! Moi, j'entends encore les hurlements, mais Comstock, lui... Soldat de plomb! Voilà le soldat dont je parlais! Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être! Vous voyez, je n'ai pas menti! Des munitions! Prenez-les! Tes petits camarades là.
Pas bon. Laisse-moi partir. J'ai plus de vie. Tu leur as fait une fleur, Booker. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Eh ben et donc, je me suis... Qu'est-ce que tu racontes? Débrouillé assez bizarrement. Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, Monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment? Et si tu te réveillais un beau jour, et que tu réalisais que tu t'es trompé? J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Normalement, il y en a un dernier, il est où? D'habitude, ils arrivent à trois. Il y en a un troisième qui est au corps à corps. Bon, ben, faut croire qu'il n'est pas là aujourd'hui. On peut penser ce qu'on veut de Madame Comstock. Cette femme avait des goûts très assurés. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire? Regarde comme il réécrit la sienne. Superbe, la statue qui pleure. Ah, c'est musique en plus. C'est tout simplement magnifique. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Un enfant conçu en une semaine? Il y a quelque chose qui cloche, là. En tout cas, l'environnement est vraiment impressionnant. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie.
La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, mais non. Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ah, j'adore cette réplique. C'est super bien trouvé. C'est génial. Ah, il va me falloir décrocher. Tu peux ouvrir ça. Le meurtre cruel de notre première dame, Madame Comstock, par l'anarchiste Daisy Fitzroy. Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiné, le prophète m'a dit... Rien de tout ce que tu as fait ou feras ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimé. La vengeance de Comstock. Le prophète porteur de l'épée a abattu son courroux sur Daisy Fitzroy et la Vox Populi. Depuis, il les poursuit sans relâche. Et cela fait énormément penser à 300. Quand les Spartiates poussent les envahisseurs, on va dire, dans le duo de la falaise. C'est superbe. Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Ok, je t'attends là. Là ! Hein ? Est-ce que... C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Mais c'est génial! Très bien. Moi, si vous voulez que je fasse venir ce point d'accroche. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Tiens, celle-là! C'est le moment! Une tourelle, vite! Battez-vous comme un homme. C'est bon, je voulais être sûr d'avoir éliminé celui qui a eu la roquette. Non, non, tu recharges pas, l'ami. J'ai trouvé des munitions. Merci. Impressionnant ce que peut faire cette petite. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate! Ok, la miss. Je m'en vais faire un petit tour, alors.
Donc qu'avons-nous par ici? Rien de bien transcendant, hein. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs éléments nous permettant d'activer des portes, hein, comme celui-ci. On verra cela plus tard. Là, nous avons de quoi récupérer la puissance si jamais c'est nécessaire. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, le principe de base est génial. Je trouve ça bien trouvé. Bon, là, j'ai déjà ce qu'il me faut plus ou moins, donc je vais éviter de me servir là-dedans. Faudrait que je vérifie si mes camarades ne m'ont rien laissé. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, en fait, il y avait dans la bataille un ennemi qui tenait un lance-roquette. Donc c'est pour cela que je me suis directement acharné sur lui au départ. Alpha, voilà, on peut voir ici le lance-roquette, afin qu'il abatte la plupart de ses ennemis. Vous le voulez? Ouais, je veux. Ça m'aide beaucoup. Merci. Un vieux système qui n'a pas grand chose d'intéressant pour moi, tant pis. Visitez l'antre des héros pour essayer le nouvel électro-quartz, le meilleur des générateurs. Essaie de repérer ce tonique électro-quartz. Alors là, c'est pour augmenter mes capacités d'armure. Et là, voilà, c'est celui-là que je voulais. Possession soldée. C'est pour ça que j'ai gardé l'argent tout le temps de côté. Parce que c'est quand même bien plus agréable. L'utilisation de possession vous coûte moins de cristaux. Et là, on va voir en bas à gauche que cela va quand même bien changer. Voilà, notre barre. Regardez-moi ça. On a quand même bien plus de possibilités qu'avant maintenant. Et ça, ça me plaît. Parce qu'en plus, on va en avoir bien besoin là, surtout. Je n'avais pas entendu, mais ça faisait 16 minutes que mon portable sonnait. Enfin, sonnait, vibrait. Mortel Comstock, agenouillé face au ciel. Yvie, une prophétie. Notre héros agenouillé face au ciel. Notre héros agenouillé face au ciel. Soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Le Seigneur juge, et je suis sa l'ami.
rien d'autre. Oh punaise, il a failli m'avoir. Tu vois, Booker, peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors. Peut-être as-tu changé. Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher. Ah, maintenant, c'est avec des pointes, des traces de pain un peu partout. On va aller voir ce qui s'y trouve. En tout cas, nous voulons affronter notre premier... notre premier patriote, qui a déjà disparu d'ailleurs. Qui a laissé une arme, une Gatling, sauf que je ne l'utiliserai pas. Parce que je trouve ça extrêmement long et pas forcément pratique par rapport à ce que j'ai déjà. Enfin, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup le combo d'armes que je possède déjà en fait. Bref, et on va utiliser avant le kinétoscope qui est ici. Il va peut-être falloir que j'accélère un petit peu le rythme, malheureusement, parce que je vois que le temps passe. Ah, c'est verrouillé. Donnez-moi une seconde. Merci. Allez-y. Bon, vous avez aussi un coffre, si vous le souhaitez à l'intérieur, mais encore une fois, ça ne rapporte que de l'argent, rien de plus. Oula. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Ouais, il me montre les traces de pas là en fait. Donc ça on va éviter. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part par là d'autres éléments du genre crochet, etc. Faut bien que je fasse gaffe de ne pas les rater si jamais il y en a. Non, je n'en vois pas plus. Et je n'ai pas assez de crochets pour les avoir. C'est pour ouvrir ce coffre là. Et de toute manière, comme je vous ai déjà dit, à part gagner de l'argent, ça ne fait rien. Est-ce que... Slate, il est là. Ok, bon, bah faisons demi-tour. Électroquartz, le meilleur des générateurs. Qu'est-ce que c'est? La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wounded Knee. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate! Slate! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oh oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà les enfants, une vraie mort de soldat. Gaffe. Il va falloir que je fasse gaffe aux éléments électriques là. Il est où? Suivant. Tu n'es pas le Booker DeWitt de mes souvenirs, soldat de plomb. Soldat de plomb. Il a pété un câble, celui-là. Ça y est, il est revenu.
mur à faire gaffe, il est où? Sortez-le de sa cachette! C'est tout ce que tu sais faire, soldat! Fais un effort, Dewey! Ne dispose pas mes hommes! On va essayer de partir par là-bas. Laissez la femme vous purifier! Je vise juste, car mon œil est celui du prophète. Merci! Merci! Le Seigneur juge, et je suis sa main. Si tu le dis, mon beau. Ne le laissez pas souffler! Je vise juste, car mon œil est celui du prophète. J'arrive là. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je vais si tu veux. Merde, ça arrive dans le mur. Ah. Voilà, faut que je fasse gaffe, j'ai quasiment plus de munitions, j'ai plus grand chose pour moi là. La vengeance sera mienne, a dit le prophète. Allez, viens par là. Allez. Il reste plus grand chose à casser là en plus. Allez. Booker, attrapé. Merci. Je m'en vais, désolé. Demain, j'ai atterri en plein dans un piège. Waouh, ma vie. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout, ça. Bon, bah, ça y est, au moins, je suis à plus du tout de munitions là-dessus non plus. Je t'en prie. Je m'en occupe. Du coup, j'ai plus ce qu'il me faut pour descendre. Et ça, c'est pas plus malin. Maintenant ! Compris ! Waouh, waouh, waouh. Y'a l'autre qui m'attend là-bas encore. Voilà, bon normalement. Je l'ai eu. Ouah, c'était limite, hein. Allons, DeWitt, montre-moi de quoi tu es fait. Ah, il y a ceux qui arrivent par là maintenant, je crois. Non? Ah non, tout simplement qu'on arrive nous de notre côté. Bon, je vais aller voir là par là-bas. Parce que il y aura des petites choses à récupérer dans cet environnement-là, bien sûr. Hein. Et la vidéo commence à se faire plus longue que je ne le voulais, mais bon, tant pis. Un voxophone, déjà, pour se faire plaisir. Mes hommes et moi sommes condamnés à l'échec, tout comme l'était ce courageux Custer à Little Bighorn. Mais nous ne céderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker DeWitt arrive. Il se dirige vers l'antre. DeWitt. On l'appelait l'Indien blanc de Wounded Knee. Pour
tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Il nous donnera peut-être la paix que nous cherchons. Eh bien. N'oubliez pas l'infusion ici aussi. Je me sens déjà mieux. Et une fois que nous avons fait ça, nous pouvons faire demi-tour normalement. Juste un petit tour rapide du décor pour voir si je n'ai rien oublié, mais normalement c'est bon, ok. Et on va par là. Quelques munitions de carabine ne me feront pas de mal. Ici rien de plus, ok. Merci! Hop là! On évite de marcher bêtement dans les pièges, hein. Ce sera plus pratique pour tout le monde. Je ne crois pas avoir oublié l'élément d'entraînement. Aouch! J'avais dit on évite de marcher bêtement dans les pièges et qu'est-ce que je fais? Je marche dedans. Bravo moi-même. Bonjour monsieur Comstock, ravi de vous rencontrer. Te voilà enfin. Bah, il est déjà mort? Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Bon bah, nouveau choix, on va l'épargner. Tu es un soldat de plomb maintenant! Un soldat de plomb! Shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Et voilà une bonne chose de faite. Vous l'avez épargné. C'était pas de la pitié. Les hommes de Comstock vont la voir. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre? Plus vite que tu ne pourrais croire. Alors là, pareil en fait, quand nous pouvons combiner la possession avec l'électricité. Ouais, il ne reste plus qu'à revenir un petit peu en arrière. En faisant bien attention. Rien dans le vent. Ouf. Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Merci beaucoup même, je dirais. Vous avez entendu les corbeaux? Rappelez-vous pour nous! Par là, un corbeau! Ça pouvait pas mieux tomber. Rien d'autre pour le moment. Booker,
Je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker... Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Si nous pouvions sortir d'ici, ce serait bien, non ? Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais aller racheter... certaines petites choses. Dollar Bill, il me semble qu'il est ici, voilà. Déjà, je vais prendre des cristaux. Voilà, comme ça, j'en aurais dépensé un petit peu moins. Voilà, et... fusil de précision, non. De carabine, voilà ce qu'il me faut. Certes, ça nous fait dépenser un peu, mais au moins, je me sentirai plus tranquille pendant quelques temps. Donc normalement nous avons déjà tout vu hein. Et là il va nous falloir ouvrir la porte. Ah non c'était pas ici, je confonds les zones. Nous sommes déjà ressortis, bah c'est cool. Parfait. Allez quittons la zone. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors je suis désolé, je pensais à la base avoir largement assez de temps pour aller jusqu'à la fin de la zone et atteindre pas le delta plane, mais le zeppelin. Mais je m'en suis pas aussi bien sorti que ce que j'espérais. Bon, enfin, tant pis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. Vous venez d'entendre Domer peut-être en fond, mais c'est pas grave. Et voilà, donc un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, une bonne fin de journée et à ciao tout le monde. Salut !